directeur de Subeco Campus Thiès, chers membres de l'administration, chers présidents du conseil, chers membres de la CRP, chers parents, chers participants, écoles et instituts, chers étudiants, permettez-moi de prononcer ces quelques mots au nom des étudiants en tant que président du bureau des étudiants, organe coiffant la vie associative à Subeco. En effet, la vie associative au sein de l'école de commerce est le complément indispensable à une formation de qualité. À Subeco, une quinzaine d'associations d'étudiants œuvrent dans des domaines variés que la réalisation d'études pour les entreprises, l'élaboration de projets, l'humanitaire, l'art, la musique, le sport, les loisirs. Elles permettent de rapprocher les élèves et de donner une dimension vivante à l'école. Leurs activités sont autant d'occasions de laisser libre cours à la créativité, de profiter des premières expériences professionnelles et d'acquérir le sens de la responsabilité et du leadership. En ce qui me concerne, l'activité qui nous réunit ici, je voudrais féliciter tous les participants qui ont fait le circuit avec nous et les encourager à continuer sur cette lancée. Faire de la randonnée est bénéfique pour la santé. Les vertus de ce sport sont nombreuses. Que ce soit sur la circulation sanguine ou sur le renforcement des muscles et des articulations ou la lutte contre bon nombre de pathologies. Selon une étude récente, la randonnée permettrait également à l'homme de s'épanouir. Pratiquer plus de 2 heures de randonnée serait bénéfique pour le cerveau et le bien-être de l'individu. Retenez cette formule. Un jour de santé équivaut à une semaine de santé. Monsieur le PDG du groupe Subeco, par ma voix, tous les étudiants du campus Thiès vous disent merci.